garantie de le dernier chrono qu'on avait, là, presque une heure, oui, à partir de la métropolitaine jusqu'à Saint-Thérèse. Et puis, Véronique, on s'en va vers plus de soleil demain. Exactement, plus de soleil et quelques degrés en prime aussi. On a atteint 19 à Montréal aujourd'hui. On parlera de 23-25 degrés pour la journée de demain avec un soleil dominant. En attendant, il y a encore quelques nuages qui génèrent quelques petites alertes par endroit. Ça passe rapidement et ça se dégagera complètement la nuit prochaine. 10, c'est le minimum à Montréal, 4 à 6 degrés partout ailleurs. Et le beau temps sera présent tout au cours du long week-end. Bon, il y aura quelques petites variantes. Ça peut être un peu plus nuageux par endroit dimanche essentiellement, mais sinon dans l'ensemble, vous allez retourner au travail mardi avec une impression de très, très belle fin de semaine. Véronique, merci. On se reparle tout à l'heure. Le bulletin national international de 17h s'en vient. Restez là. Nous, on est de retour, évidemment, après pour la dernière heure de l'émission. Entre autres, on va revenir sur cette journée Xavier Dolan à Cannes. Restez là. Vous écoutez le 15-18. La thèse de l'attentat qui se renforce concernant l'écrasement de l'avion d'Égypte, on se demande pourquoi l'Égypte est dans la mise.